il fallait que je témoigne. Parce que Dieu m'a interpellé d'une manière à une autre, par le coup de fil que j'ai reçu du serviteur de Dieu, le prophète qui est ici, de l'église Yoba au niveau des Orients. Et ici, je me suis retrouvée parce que j'ai fait des recherches et je me suis en sortie parce que j'étais d'abord là-bas. Ils m'ont dit, on va pas plus là-bas et que le culte était ici. J'ai dit à mon fils, il faut le comprendre. Parce que l'Éternel ne veut pas que sa gloire soit cachée. Et que d'autres églises en bénéficient. Alors, c'était l'appel du Seigneur par son prophète. Je veux commencer par mon témoignage. Je ne veux pas tellement m'ouvrir. J'ai traversé une situation difficile au niveau de mon pays. Parce que j'avais à déclarer certaines choses dans les réseaux sociaux qui ont vraiment touché et j'ai été vraiment persécutée. Alors, je me suis dit, ça ne servait plus à rien de pouvoir être dans une église au bas. Et vu avec tout ce que j'ai découvert, les serviteurs de Dieu qui sont dans un réseau trop fort et qui ont voulu que je sois avec eux, j'ai perdu le découragement de ne même plus rentrer dans une église au bas. Et j'ai fait pratiquement 10 mois assis à la maison. Mon fils également, il est dans la salle. Parce que j'étais surprise de savoir que beaucoup qui priaient, qui étaient des hommes de Dieu, étaient encore notre Dieu. Et ils m'ont demandé d'être avec eux, j'ai refusé. Alors j'ai été persécutée, on m'a bloqué beaucoup de choses, les passeports, tout ce que j'ai eu, j'ai perdu. Parce que la persécution était tellement forte, parce qu'il fallait rentrer avec eux. Et j'ai dit non, je préfère ne plus exercer aux apprends, j'ai fermé. Alors j'ai fermé l'église. Et c'était difficile pour moi parce que je n'avais plus un lieu pour faire mon culte. Alors je le faisais dans une petite chambre en planche que je prise au niveau des environs. Je louais, j'adorais mon Dieu, matin et soir. Parfois je me mets sous le rond-point de la démocratie, sous la pluie. Je chante comme une folle. Et beaucoup disaient elle était folle. Mais au fond de moi, je n'étais pas folle. Mais je pleurais parce que je l'ai vu comme réalité de l'église au Gabon. Et c'est comme ça. En chantant, la voisine où je vais louer, elle priait ici. Et c'est elle qui m'a dit, pourquoi tu ne vas pas avec moi là où je prie? J'ai dit, je ne le crois plus. Parce que je sais que forcément, eux aussi sont dans des choses compliquées. Et je ne veux plus me rendre dans des choses compliquées. Et après, je serai encore harcelée. Elle me dit, non, non. Parce que la gueule est venue ce jour, et j'ai croisé le prophète qui est en blanc, et l'autre aussi qui est en noir. Ce qui m'a trop plu, c'est parce que le monsieur, le prophète qui est en noir, a réussi à dénoncer la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, que le prophète décortiquait, je reçus la réponse à la question de là où Dieu m'a porté sous la pluie et dehors de gauche à droite. Alors j'ai compris que je ne vivais pas un instant de folie, mais c'était la rencontre avec le Seigneur. Et il a enseigné ça, je me suis retrouvée en forme de prophétie dans son enseignement. Et j'ai compris, j'étais dans une église avec la parole. Mais ça ne m'a pas rassurée. J'étais assise à ce culte, les gens chantaient, j'ai pas encore surprise de voir, tout le monde chante, tout le monde va comme ça. Alors j'ai parti. L'homme de Dieu a dit, tous ceux qui sont dans la salle, madame, toi, mets-toi debout. Si tu ne chantes pas, tu vas chanter, tu sors. J'ai dit, ah, ça c'est bien l'église. J'ai dit non, je ne peux pas, il ne peut pas m'exiger à faire ce que je ne connais pas pourquoi je dois faire. Alors celle qui m'a amené, elle m'a appuyé. J'ai dit, ma pluie. Peut-être quand on fait ça, c'est pour que les gens vont mourir. J'ai dit, mais la plupart, je ne le fais pas. Alors l'homme de Dieu, regardez, il a existé. Poussé par l'Esprit de Dieu, il commence à dire, chez nous à Iloba, quand on chante, c'est pour que Dieu te délivre de maladie, Dieu te bénisse, dans tout ce que tu veux. Et si tu as le financement qui est bloqué, Dieu te donne la situation financière. Mais bon, ce qui m'a intéressé, c'est quoi l'homme de Dieu a dit. Lorsque tu danses, Dieu ouvre les voies de ton finance qui est bloquée. Alors j'ai commencé au théâtre.
danse. Même que je ne connaissais pas, je commençais à danser. Et on peut faire. Et ce jour, quand j'ai fini de danser, je suis passée vers le prophète qui est juste en blanche, mais tu prends encore les noms. Et c'est comme ça, je me suis assise. Il m'a prophétisé. J'ai entendu qu'au Gabon, il y a donc des églises qui prophétisent, mais qui ne sont pas la publicité dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les radios, dans les télévisions. Il y a des serviteurs de Dieu au Gabon. Je me suis levée. Je prie ma copine. On est rentré à la maison. Le deuxième jour, je viens, j'ai trouvé comment les mamans, et la maman qui était allée au fond avec les lunettes. Ce jour, il y a quelque chose qui m'a ému. C'était de voir une église où on fait comment? On fait à manger, les gens mangent ensemble, et elle m'a dit, j'ai mangé aussi, mon fils, et moi, on a mangé. Et ça m'a touché. Et je t'assure qu'on sortit de ce culte. Tout le long de la route, les gens ne faisaient que me dire tu pries. Je ne comprenais rien. Et j'avais compris que j'étais au bon endroit. Maintenant, pourquoi je ne suis plus là? Parce que la prophétie de son serviteur s'est accomplie. Le prophète peut prophétiser, mais beaucoup n'arrivent pas à réaliser la prophétie. Il y a eu la prophétie, mais j'ai eu la prophétie. Il a prophétisé sur moi que l'Éternel va te relever au niveau de l'entrepreneuriat dans la nation. Tu vas retrouver ton finance et ça s'est accompli. Il a prophétisé. Il dit à un fils qui a un enfant qui est à la maison, qui ne te croit plus, qui ne te respecte plus, amène-le. L'enfant m'a dit, maman, je ne le crois plus, je ne fais pas. J'ai dit à l'enfant quand même. Quand il est arrivé, il a dit à mon fils, je vois un groupe de garçons qui sont dans le quartier, mais qui vont chercher à te tuer. Ça s'est accompli. J'ai même dû quitter ce quartier en voyant. Ils l'ont entassé, comme l'homme de Dieu avait dit. Ils l'ont sauvé parce qu'ils ont dit à l'enfant, donne-nous l'argent. L'enfant a dit, je n'ai rien. Donne-nous l'argent, l'enfant a dit, je n'ai rien. Et c'est comme ça, ils ont pris un caillou. Ils ont damé, frappé l'enfant. L'enfant a glissé entre les pieds des enfants. Il a fui. Et ce jour, j'arrive aussi. Du travail, je trouve l'enfant respirer mal. Et j'ai dit, la prophétie de l'homme de Dieu s'accomplit. Mais ils n'ont pas pu tuer l'enfant parce que l'homme de Dieu avait pris ce jour-là. Mais sauf que j'avais foyer et j'ai droit d'argent dessus. L'homme de Dieu avait déposé une hôtel, une offrande, pour que ton fils soit protégé. Je vous assure, mais malgré l'offrande que je n'avais pas posée, mais la prière que l'homme de Dieu avait fait sur l'enfant et parmi l'enfant, il serait mort. Et j'ai compris que ne jouons pas avec la prophétie des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, le plus grand témoignage, c'est de venir témoigner comme l'homme de Dieu avait dit. Maman, Dieu m'a délivré dans la nation. Ma soeur, je vois, tu aurais l'argent, une société. Alors, ça fait 3 ans que je travaille avec les Émirats arabes et les Sud-Africains et les Malaisiens philippins. 3 ans. J'ai essayé de lancer la société ici, ça n'a pas marché. Mais on sentit que j'avais pensé à Inouba 2 fois seulement, l'homme de Dieu a pris pour moi. Je n'ai rien compris. La société a été implantée. Les blancs m'ont dit on te choisit comme le représentant au Gabon. Et je ne suis pas la seule Gabonaise dans cette société. C'est une société qui a 30 pays. Il est planté dans 30 pays au monde. Et ils m'ont dit, on te donne la gestion du Congo et de la Guinée équatoriale aussi. C'est toi qui vas toucher. J'ai dit moi. Et je ouvre Facebook 3 jours. Ce sont les employés que j'ai revenus qui ont dit madame. Mais l'histoire est vraie. Nous avons écrit à Dubaï. Ils disent de repartir au Gabon. Vous avez déjà une représentante. Et qui était là. Et quand ils ont ouvert Facebook, ils ont publié mes photos de partout. Alors, j'ai eu le coup de fil il y a de cela une semaine.
pour les Sud-Africains et les Malaisiens, m'ont dit on arrive le mois prochain pour te soutenir et installer la société au Cap. Alors cette société va recruter près de 1000 Gabonais qui font dans le commerce, qui font dans l'entrepreneuriat et qui font de la gestion comptabilité. Alors j'ai commencé le recrutement, il y a des églises qui sont venues, un homme de Dieu, j'ai poussé bien. Aujourd'hui même, je devais aller dans un homme de Dieu qui voulait envoyer aussi ses filets pour être immatriculé. Quand j'ai vu le coup de fil de l'homme de Dieu, j'ai compris que Dieu voulait me dire, la grâce n'est pas ses églises. Tu as eu ça à Luloba. Alors, va privilégier l'église de fil Luloba. Tout à l'heure, je vais voir l'homme de Dieu. Les conversions de l'église Luloba, les moments pour faire l'entrepreneuriat. Par leur canal, je verrai comment vous immatriculer. Le temps qui viendront, je vous expliquer, c'est une société qui soutient beaucoup les conversions et les entrepreneurs. Cette société fabrique le café là, comme les cafés. C'est une boîte qui fabrique le café comme les cafés, les céréales, tout. Alors ils m'ont choisi comme le représentant là-bas. Donc, ce n'est pas un petit budget à gérer. C'est des milliards qui seront déversés. Et je bénis le Dieu de Luloba. Merci au Dieu.